si un jour pour me ta mourir, pour me ta monter dans le ciel là, pour me garder bon Dieu, danger, pour me ta dire que mission te voye me faire, que me pas remplir. La mission ça. La mission de changer. Bon, si tu on saute de là c'est Aviol Fleurant. Yon volé on chat on mimi miaou. Et actuellement ILCC s'est mandé pour mettre monsieur en bas code parce que monsieur son volé, c'est une nèg qui craser pays. Ouais, tout le temps mission bon j'étais voué pour mission comme mission pour changer pays. Maintenant c'était pour craser pays pour te voler plus l'argent. Non, qu'est-ce que c'était pendant 2 ans qui alors pas 2 ans. Pendant bon dit on petit temps que monsieur fait en dans boîte d'état. Une nan pigou parce qu'elle te géré, c'était ministre planification. Gen l'autre petit job tan kou consultant, li jwenn en bas, mais pigou job misye en dans l'état, c'était ministre planification pendant un petit bout de temps. Eh bien, tendez bien. Aviol Fleurant, hier c'est mandé pour arrêter misye. Arrêter pour qui ça? C'est parce que tout ça, mes chers amis, qui c'est Aviol Fleurant, son volé, son chat, son mimi miaou. Yo dit que Aviol, yo te questionné. Hier c'est parlé ensemble avec Aviol. En première fois, Aviol fait qu'on est, l'été gagné, yo dit, entre 3 et 5 comptes. C'est ça qu'il te dit, ILCC. Tandis que, l'éal fait enquête, y'a l'investigé à l'entreprété, yo jeune qui Aviol Fleurant et madame li en tout, gagné 16 comptes, mes chers amis. C'est ça, m'dou? Gagné 16 comptes, et m'bral du quantité yo gagné qui c'est good, quantité yo gagné qui c'est dollar. Mais yo gagné plus compte en dollar. Et pas si cause kap parler là. Tandis bien, m'kwa yo gagné 7 comptes en good, 9 comptes en dollars. Mais ça qui passe. Yo jwenn ke mouche, m'kapab di Aviol Fleurant ensemble avec madame li, yo pa clean. Et tout compte sa yo, gen plus que 100 millions de goud sou yo. Tade bien oui, alors que mouche a te menti ensemble avec enquête ILCC yo, pendant que yo tap pose le question sou koze compte bancaire, li te zil gen 3, après sa vin zil gen 5. Tade bien oui, et bien par rapport ensemble avec tout bagay sa yo, hier, c'est demandé pour poursuivre, alors pour justice haïtienne, non poursuivre ancien ministre Aviol Fleurant. Et Aviol Fleurant, qui c'est un volé à gage, mais c'est son bon mafia. Ou ça l'a préparé pour le faire dans ce moment-là, l'effet que le dossier a chaud. Et m'a trouvé un big up pour dire ça, nous qui fait un gros travail dans le dossier ça, qui t'est intéressé ILCC pour aller mener plus enquête, parce que l'été qu'on Aviol, on sait qu'on Aviol mouté, ancien et voisinage tout vin pas Kamadi, tout vin pas Grabel. Hein, ça t'est questionné ou dit ça non, les salte nan Ibo, comprenez bien, pour le demander ILCC fait travail ou, qui t'est tout à fait normal en tant que yon citoyen haïtien. Et en même temps, yon journaliste, bon, je n'ai ça là pour mener enquête, il là pour bas information et la trier. Eh bien, mais ça Aviol Fleurant a préparé pour le faire dans la minute qui m'a parlé ensemble avec nous là. Monsieur déjà consulté en série de travail la presse, c'est-à-dire en série de journalistes, ni directeur média, directeur d'opinion, en série de directeur information non paquet média, mais ça monsieur a préparé pour le faire. Monsieur a préparé pour la goncob en dans presse haïtienne, non? Tenez bien, oui. Moi, je me conseille de me dénoncer, bah, yo. La préparé pour le en série de journalistes qui gagnent gros aura, si tout dans les médias traditionnels et quelques grands dans les médias en ligne, pour la goncob dans mes yo. Pour yon commencer à faire un lobby, on peut pas gagner pour lui par rapport avec ça, et si c'est parler des 100 millions de gouttes qui ont joué sous 16 contre monsieur gagné yo, eh bien, pour média yo faire qu'on est, que comme ça, les gagnants, que yo jouent qu'il gagne sous 16 contre yo, c'est cabinet d'avocat qu'il gagne, parce que son gros avocat quand même, c'est cabinet qui facilite le jouer tout comme ça yo. Son façon pour créer diversion dans quatre dossiers. Ça va t'y causer, hein. Yo dit que Aviol Fleurant, monsieur acheté deux gros cailles, mes chers amis. Pour petit li. Et va ti cause, bon gade moi pour m'bon plus de détails, oui. Yo di misye achete de kay nan Pegiville, sous non petit li yo. Kay sa yo coûte 75 000 $ américain. Et achat sa fait de mars 2016 à décembre 2018. Et va ti cause, non? Et m'di nou, le misye tap bay ILCC Mentora, li te di li gen 3 comptes, c'était yon nan Soje Bank et deux nan Uni Bank. Et les algas déjà me dit nous yo jwenn ke misye gen 16 comptes mes chers amis. Et misye bay menti en pile dans déclaration patrimoine qu'il t'a fait. Pour pas ti causé. Et bien faut me dit nous c'est pas seulement sous Aviol Fleurant qui enquête là. Alors ILCC t'a fait une conférence pour la presse pour te présenter un paquet et rapport d'enquête, c'est pas seulement sous Aviol Fleurant non, enquête t'a fait. Mais faut me dit nous c'est au moins 8 rapports d'enquête qui ont été présentés par la presse. Bon, dis-nous qui rapport qui est. Premièrement, yo parlé sous on l'argent qui détournait
dans EDH qui c'est 22 millions de gouttes de janvier 2021 à janvier 2022. Yo parlé tout sur patrimoine Aviol Fleurant, j'aime sur parler nous là, comprendre bien qui était dans tête ministère planification, yo parlé sur yon suspicion que yo gagnien dans un taureau qui enrichit tête li de façon illicite qui c'est et pas c'est le taureau, c'est Marianta Meone qui responsable CRLDI et immigration dans Pétionville. Bon son tour quand même on monde qui fait l'argent, il pas qu'a dit qui côté le fait l'argent, son tour. Yo parlé des rapports d'enquête sur on l'argent qui était décaissé dans ONA sous l'ordre ancien ministre Pierrico Odney, on a fait des 22 millions de gouttes. Même IRCC ça parlé sur un prêt qui était accordé avec Mildred Belliard et Jacques Loture et on a été bail comme ça. Yo parlé sur détournement gaz qui gagnait en dans SNGRS. Et dossier ça, c'était directeur adjoint qui t'a dénoncé directeur général quantité zaké au venant SNGRS. On débat les tout détails ça et me penser dans continuité émission ça, il y a quelques détails qui me parle sur ça. Et on parlait tout sous corruption qui gagnait en dans PNCS sous administration Fanes Laguerre. On parlait de PNCS, gen moun ki pa comprendre, c'est programme national cantine scolaire qui créé depuis 1997. Comprenez bien, oui. A dit, si gon programme national cantine scolaire, toute l'école nationale, t'es supposé jouer de manger gratis, oui. Ou arrosé, en tout cas. Et huitième et dernier rapport d'enquête qui a été présenté dans Mikou La Presse, c'est diplomatie haïtienne, non? Gain 13 diplomates haïtiens que IRCC s'est mandé pour la justice arrêter, yo. Moun sa yo pas de faire déclaration patrimoine yo. Mbral bon tout détail, a ces jambes doula gen quelques petits détails au moins ou si vous y joignez. Par exemple, nan diplomatie, comprenez la corruption que vous joignez en dedans. Et IRCC s'est mandé ensemble avec pour mettre action publique en mouvement contre 13 anciens conciles et ambassadeurs. Parmi eux, Stéphane Gilles, Léon Charles, Yves Woody Jean, Jean-Josué Jean, Jules Samuel Rockefeller, Franz Bataille, Leslie Benoît, Régine Lamure, Widline François, Guerrier François, Walford Saget, Gavey Jean-Pierre et Ricardo Ralph Jean-Philippe. Diplomate sa yo, selon détail, selon information, yo pas déposé ou yo pas fait déclaration patrimoine yo. Hier c'est joine moun sa yo, ça c'est en fraude qui lié, son on loi qui capable dit yo pas mettez en application, yo violé en loi qui donc yo mandé pour arrêter yo. Et puis l'autre détail encore qui gagnait nan même de passer gen l'autre moun yo mandé pour arrêter, ben gardez bien mes chers amis. Oh mais oui, selon détail, selon information que nous jwenn encore puisque m'ta parlé de cause ILCC, de cause EDH, comprenez bien. Et ben selon détail que yo jwenn et ILCC mandé tout pour la police ou bien pour la justice, bon dire comme ça plutôt, arrêter plusieurs moun. Les plusieurs moun, plusieurs caissières, ça c'est femme, comprenez bien oui, en dans EDH. Tankou Naomi Cantave, Molange, Chantal Thomas Jean, Mona Sandy François, Eloise Valbert Pierre et Edmond Célestin. Moun sa yo détourné l'argent l'État. Et pour nom qui m'a cité pour nous là, par exemple, Chantal Jean Thomas, qui est en dans EDH, li détourné plus que 3 millions de gouttes. Naomi Cantave détourné plus que 17 millions de gouttes. Pendant que vous avez dit, attendez bien, oui. Sandy Mona François lui-même li détourné plus que 1 million de gouttes. Elmise Valbert Pierre li détourné plus que 500 000 gouttes et Edmond Celestin li détourné 135 000 gouttes. Attendez bien. Kessier qui en dans EDH. Yo rentre dans boîte là, comprenez bien, yo pas bay kou en vrai. Comprenez, yo pas alimenter aucun zone. Sortant de Tikob qui gagne c'est rentrer faire gagote. Et m'a dit nous Kessier ça yo, Kessier c'est bon capable dire c'est petit job là, mais si yo arrêté moun ça yo, yo fouye yo, au moins y a besoin patron oui, y a besoin qui moun qui t'a fait pression, qui moun qui t'a bailler assurance on garantie, yo met voler j'ai fait mais en pas privé oui. Est-ce que nous wè qui côté pays ça ici? En tout cas bah yo compliqué, bagay yo grave, j'en nous dis ya, malheureusement m'oblige dit malheureusement ILC s'est fait un bel travail, on travaille côté yo réalisé 8 enquêtes, yo publié tout rapport yo, mais jusqu'à minute que m'a parlé avec nous là Aviol Fleurant a typé. Jusqu'à minute que m'a passé avec nous là, diplomate a typé, y a enjoy, qu'est-ce ça on a EDH a enga out, comprenez bien, yo gen l'argent, yo bon, comprendre petit quoi bon ces jours-ci, qui donc action publique en mouvement, est-ce que
t'as supposé qu'un exemple qui a tracé. Bon, jusqu'à présent, la question qu'a posé, mais nous connaissons la réalité pays nous. IRCC, son bret qui l'a pour le faire travail, il fait travail par là. Rete koun ensemble avec la justice pour le faire travail par là. Et il supposé faire. Et puis, l'autre détail qui m'a gagné pour me partager ensemble avec nous, bien rapide, mes chers amis, faut me dire nous gagné un pays Brésil qui annonce nous là qu'il y a quelques petits bagailles qui a bail dans le pays d'Haïti. Il y a quelques petits bagailles, il promet qu'il a offert nous parce que gagné Dominique Dipi qui était en visite dans le pays Brésil, côté il parlait ensemble avec plusieurs monde, plusieurs autorités brésiliennes. Et ben qui s'est passé, chancelier l'a fait connait, yo parlé sous urgence que au gain pour renforcer PNH pour aider le gouvernement contre insécurité croissante qui gain là. En réponse, il dit que il dit en parlant de Dominique Dipi, Brésil, pays Brésil promet une séance de formation pour 400 policiers et la facilité comprendre et c'est un bagage peut-être dans jour qui venir là. Police ta supposé recevoir formation ça et gagner un paquet équipement de sécurité spécialisé pour soutenir effort pays à prendre compte et gang armé yo ta supposé voyer dans pays là et faut me dit nous yo parler tout concernant yon avancée significative pour restaurer la paix et la stabilité dans pays là qui donc c'était un voyage en d'un voyage à te un paquet bon petit bagaille de bonnes choses très fructueuses comprenne bien peut-être qu'il y a bon pour pays là mérité pour nous tendre parce que ça c'est promesse que yo y oui c'est vrai mes chers amis comprenne bien que Dominique Dipi était en déplacement comme ka comprendre ça mais Dominique l'autre petit bagaille qui est important faut prendre au moins en conférence pour la presse pour dire mais qui ensemble des détails. Ça c'est quelques petits bagages dans fouiller zone dans la qui me joindre obligé pas kakenbe m'vinn là m'partage ensemble avec nous mais mes amis Dominique si gen tout bagage ça ka préserver pour pays là que vous pour mettre pour pays là au moins en conférence à on ap normal pour venir là pour dire ça qu'a fait en parlant gen secrétaire d'état américain Anthony Blinken qui gen pour rencontrer mes chers amis et en pile autorité dans pays là par exemple monsieur gen pour venir on prend 5 septembre cap vini là, il pas prêté non, il pas dormi en Haïti. La 25 septembre, premier moun qui secrétaire d'état américain Anthony Blinken a gen pour rencontrer, li gen pour parler ensemble avec président Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil présidentiel transition. Tout de suite après, li gen pour rencontrer ensemble avec PM Gary Conille qui a accompagné chef cabinet qui c'est Nesmi Maniga, ministre affaires étrangères qui c'est Dominique Dipi et Anthony Blinken les compter tout pour parler ensemble avec chef et mission force multinationale là qui c'est Godfrey Outonge et ensuite DG police qui c'est Normil Rambo qui donc j'en entendé à oui c'est ça comprendre bien en pile détail en pile et bagaille qui supposé fait comprendre bien pendant monsieur a venir là même c'est pas prêt j'aime dire nous même joie les fin parler avec Mounio li a tout traversé dans pays voisin pour aller régler l'autre bagaille encore qui l'essentiel pas oublier non pas monsieur Tinegan tu peux voir information li. Mes amis, m'a prédit encore. Ultraban, c'est un petit comprimé tout petit qui fait un gros ravage dans la communauté noire. M'a toujours dit ou pas regrette. Ou même garçon qui pas gain ban, eh bien Ultraban, c'est double ban. Quand un petit comprimé ça papa, pour plus contact, relez-nous dans 954 945 0835. Ou bien, sur site internet noir, www.ultraban.com. Il y a un nom qui fait peur. Le religion Ernest Muscadet. Qui t'aime pas la zamim, Ansi Poulard. Je vais regarder sur l'écran, ces raisons fondamentales qui fait pas jamais prendre Pierre au sérieux. Pour une semaine, je passe ça. Ou il doit faire export, attendez. Nous avons qui commenté en baba, monsieur, pas comprendre non plus. Et parce que c'est ça qu'il fait dans la société. Il n'y a pas idée de comprendre. Pas personne moun, qui a fâché parce que justement, il y a une organisation de défense des droits humains qui joigne une subvention dans l'État. Il y a des gens qui sont fâchés contre ça, parce que ces organisations ont besoin de subventions pour fonctionner, soit dans le secteur privé, soit dans l'État, depuis que ce n'est pas la corruption. Ils ont besoin de subventions pour fonctionner. On ne peut pas critiquer pour ça. C'est-à-dire, l'on attend, il faut attendre pour apprendre, pour comprendre. On ne peut pas critiquer. Il est toujours là, il est en bas là, il est en partage là, il est toujours là. Il vient avec nous depuis plus de 15 ans. Même temps, on bien voler, même temps, ça a tout bien avec, on connaît en si pour là, nous, on va parler. Depuis RCH 2000, attendez. On
pas de problème parce que monsieur j'en subvention dans BMPAD. C'est pas ça ba là. C'est parce que on est honnête, on est crédible notre Pierre. Monsieur al baissé tête li devant Stanley Lucas. Le Stanley poser monsieur question sous l'argent ça yo dit que l'a joine li joine dans BMPAD là. Monsieur dit non pas rien barré comme ça. M'a parlé là 18 février 2017. Monsieur déclaré sur radio Énergie dans Boston, li pa recevoir yon piasse, li pa jam, tande, l'or ba la gen nunca, never, jam. Ça vle di ya. Li dit li pa jam recevoir l'argent dans BMPAD. Elle dit comme c'est sur réseau social ba la parlé. Eh bien, nous, ça nous pral fait, nous pral écrit BMPAD. C'est tout ça qui est le problème. Ça vient faire que, pas rien, monsieur pral dit, bon, pour me quoi là-dedans. Comme si vous pensez là, monsieur dit, monsieur Kadena Gang, vous pral quoi ça, m'a quoi ça. Parce que pas rien, le pral dit, bon, pour me quoi là-dedans. Parce que, côté bah là, monsieur Vatka seulement dit tête li, parce que qui ça bah là? L'idée, c'est de faire l'argent pour contre li, pour l'Hélène, pas de connaître, pour rester équipe là, pas au courant. Et faut songer ça, Ansi Boula. Ces dossiers, ça te pral diviser l'Hélène avec Pierre. Oubliez ça, frère. Ces dossiers, ça te pral vini avec FJKL. Parce que, monsieur Patka expliqué ça. qui ça te problème? Pas rien de là-dedans, ça, non? Oui, eh bien, effectivement, t'es une subvention, yote banoul, c'est organisation nouye, eh bien, yote proposé une subvention, pas gagné de corruption là-dedans, nous, nous te recevoir. Mais monsieur dit non, pas de jambe recevoir. 18 février 2017. Et un petit temps plus tard, le dossier a continué à bouillir réseau. L'Hélène démissionné en NDDH. Finalement, sous Kiskeya, monsieur admet, oui, il te recevoir comme là. Qui ça nous dit là? Ah, attendez, bon, c'est peut-être côté de archives là. On m'oblige de tourner avec le bon nom. Parce que, n'oubliez vite, papa, côté mon chien. Attendez bien. 18 février 2017. Là, on parle de recevoir subvention dans mes institutions. Et chaque mois, et comparer ces bois. On parle de qui tu. On y a ça, nous capables. Nous écrivons. Donc, comment est-ce que tu as fait pour recevoir 1 500 000 gouttes par mois et pas recevoir? Attendez, Kounia, nous, qui finit ça, qui l'aime nous, 18 février 2017, il dit il pas recevoir rien dans BMPAD. Il même dit il pas l'écrit BMPAD pour le demander des détails, parce que son réseau a l'ouest, il pas qu'on elle. Bah, il s'est manqué tout l'Hélène. Attention, l'Hélène mouté 18, pas 50. Attendez, alors que février, mars, avril, moins de 2 mois, 3 avril 2017, Pierre Espérance pral confirmer sous Kiskeya, oui, nous recevons un chèque 1 500 000 gouttes. Côté sort, et grand monde, oui, mais t'as côté sort, bah, mentor. Un dossier qui concerne le DH, BMPAD, qui sont... C'est pas contre nous, monsieur, non? C'est depuis le SAM, pas prendre au sérieux. Donc, pas grand, moi, j'en moune en Haïti, à lever monsieur en l'air, journaliste dans la presse là, à lever monsieur sous tête. Non! Moi, je ne suis pas dans le bluff à monde. Connecté sur réseau social ou des noms médias traditionnels ou à pleuver. Depuis le dossier, ça ne m'a pas pris au sérieux. Et pas grand rien qu'il dit qui est intéressant. Je me dis qu'on a le souci de NDDH à visiter. Je ne pas faire ça encore. Ou même ces mentors à bail. Même si on te bail 10 000 vérités, je ne pas quoi là-dedans. Je ne pas quoi là-dedans. Ça, c'est moi. C'est-à-dire, pas forcément quoi non bagay, que vous avez un ouais. Ou même moi, maquille en vérité. Moi, je ne pas quoi non, on est un bon mentor, gros journée. Si archive ou pas, tu as fait net. Heureusement, technologie avancée, archivio là, donc fou là, elle a fait un suspens à clé. Quand y'a un gabio, m'a fait job PHTK, qui ça l'a fait le même? Quand elle t'a mangé, nan BM pas de l'argent, n'a pris ta BM pas de l'argent avec Patrick Noramé, pas de titre privé là, oui.
C'est pas un équipe tête calée, hein? Ah, mon chien. Il faut ne pas faire ça. On a fait jouer de bébé. Quand il y a nous 3 avril 2017, tant d'étendre dans la gazette. Juste parce qu'il y a 1 million de gouttes qui est tabac. Fondement accusation, ça. Est-ce que NDPH te recevoir l'argent effectivement dans mes BM, pas de Pierre? Faut qu'on dit où, nous tant d'informations, ça, car ce qu'il est, c'est depuis mi-février, côté que, il y a des gens qui postaient sur page Facebook, depuis 20 mois, RNDDH a recevoir 1 million. Il met en 20 mois juste pour le cabal. Pour information, ça, ça a été étonné, non? Mais ça, nous connaissons, ça, nous capable de dire. Statut RNDDH, autoriser RNDDH pour chercher fonds pour être capable de financer l'activité. Côte son Batkadia. Statut RNDDH permet les collectifs fonds pour le capable de réaliser l'activité. Côté son Batkadia déclaré depuis 18 février 2017 là. Où t'es qu'à distance, ça? Ça t'a dérangé. Laisse en vine piti, mon cher. Kounya sou wè nèg ap roule tapi rouge pou Haiti, mwen pa la dan, mwen pa ka fèl. E korayi mou fachou jou ou di bêtise, la gen de kèk ti détracteur sou rezo ap atake, mwen sa pa fèm ni jodi fret. Mwen jist pa kwen nan ou ankò, c'est tout. DDH, autorize RNDDH pou chèche fon pou li kapab finanse aktivite li. Li kapab finanse aktivite li yo. Sous de financement sa yo kapab vini plusieurs côté. Kapab al chèche kob nan men non gouvernemental yo, nan men membre RNDDH, nan men institution nationale internationale. Oui, nan fin de 2016 la, RNDDH te joigne en subvention nan men BMPAD. Sa di? Nous même nous paraissons voir subvention nan men BMPAD. Oui, nan fin de 2016 là, RNDDH te joint en subvention dans main BMPAD. RNDDH on a fait de chèque BMPAD, lui confirmer que RNDDH t'a bénéficié de subvention ça. Merci oui. Et non merci en pile, oui merci en pile. Et on quitte ça. Et par contre nos gars personne, c'est juste pour me dire zanmi moi Ansi Poulard, on pas fait job BHTK. On juste avant son fait. Donc monsieur pas qui mieux qui crédit bassé. Pour la dénoncer Muscadin, c'est tout. Mais son travail qu'a fait, c'est-à-dire, soit M. Kimbe dossier Muscadin pendant tout le temps, ça, il y a des mains cachées que nous ne connaissons. Et comme nous, grand timoun, eh bien, nous comprenons justement qui s'est passé. En quittant ça, il y a des nègres qui viennent nous mettre Muscadin là, comme ça, si nous ne pas nous bagaille, vrai, nous reprochons. Parce que même nègres, attendez. Même nèg qui a reproché Muscadin, qui a dit revoquer là, nèg ça n'a pas jamais entendu, il a dénoncé coalition gagnée avec facilité. Muscadin, tout parler, monsieur parler, le doux lui-même, ni plat la prête cimetière pour bandits, pour criminels, pour assassins. Je ne pas jamais entendu le dire, nèg politique, nèg justice, nèg droits humains, je ne pas jamais dire ça. Si tout langage monsieur c'est contre gang, son nèg contre monsieur bon dans gang, on pas fin comprendre bagay ça. Maman ben c'est comprendre parce que tout les demain pas la Muscadin m'a posé le question. Pour ba monsieur douli dou ou ni plat, la prête ton cimetière pour gang yo. Quel dou nèg ça yo, m'a attaqué à boule rouge. M'a attaqué bandia à la hauteur de ses actes. C'est ça m'dan de le dit. Eh bien sou pas bandi pour ça qu'on sauter là. C'est comme quoi il y a parlé volo mal. Et nous vont côté tomber plein rien, nous tomber client moi. Bon on pas dans volo. Qui met les miens jouer volo. On pas comprendre bagaille ça. Si me pas volo. Si pas jouer volo. Pourquoi ça me fâche? Me fâche mes stomaqué, babier, ma bougonné, nèg ça depuis vinn là, il y a jouer volo. Bon qui met les miens jouer volo? Moi me pas volo. Eh bien, écoutez, pour qualité causée de gagner un pays, ça, côté ces nègres exam, a fait toute qualité de blousaille. Pour ça, nègres exam, fait nous là, la société. Pour crime, nègres fait là. La famille des enclos a crié jusqu'à présent. Famille guerrier a crié. La famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent.
La famille n'a pas dit à crier jusqu'à présent. M'pa jwenn rapport qui expliquait, qui racontait crime yo. Parce que gen rapport pour rapport. Là, on vient de prendre un rapport, oui, tel et tel, tel tombé, tel et tel. Ça par rapport. Ou juste, bah, on information. Yon rapport son bagage qui détaillé. Ou par rapport à l'ONU, yon expliquons justement de A à Z. Soudim tel policier tombé, fok ou bay contexte li tombé a, comment le tombé, qui est-ce qui policier a, fon konel. Ou seulement dit, tel tombé, ça pa vle di nan yon. Faut détailler qui est-ce qui est tel et tel. C'est ça un rapport. La famille Dorival a crié jusqu'à présent. La famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent. La famille Pétion a crié jusqu'à présent. Écoutez la société. M'a cherché des rapports qui bien détaillés. On peut rejoindre ça jusqu'à présent. Bien détaillé. Et pas ni vienne citer non, m'a parlé de rapports en détail. Sur des crimes de sang. Ça veut dire que tant nous prend pour nous exiger révocation au commissaire qui lui-même anti-gang. Nous devons prendre temps ça pour nous faire recherche, pour nous plus connaître les gens qui sont victimes, pour nous produire un rapport détaillé. Rapport ça pourra être utile à la République. Si on prend ça, rapport ça pral utile la République. Parce que, écoutez, si rapport pral utile la République, en utilise-le. Tendez bien la société. L'homme fin gade, première image ça, qui présentait devant. Et puis, Muscadet qui était arrêté dans le cassé. On a toujours fait débat que le pas de droit parce que c'est un parlementaire, etc. Que le pas de droit. Ok. Le discuter ou libérer monsieur, etc. Pas un problème. Dit, bon, me quitter ça là, parce que m'a essayé de chercher comprendre connexion qui gagne justement entre RNDDH et Nenel Kassi sous dossier Muscadet. Me songe sous Brivert, yon n'a qui gagne contrôle BM pas d'itérelé Nenel Kassi avec le fameux Patrick Noramé. Tendez bien la société. Moi songe justement dans le dossier PM Padlan, le fameux Patrick Noramé, c'était Timoun Nenel Kassi. Et qui est-ce qui était avocat, monsieur, à l'époque, qui t'a pral plaider après? Coquin, okay, mesdames, c'était André Michel. Même équipe, Nenel Kassi, SDP. Est-ce que nous connaissons même époque ça? RNDDH de Pierre Espérance pral fan? Pour qui ça nous connaît? Vin dans des archives. Et puis ça te fait à la fin me poser question. Qui est-ce monsieur y exactement? Parce que ouais, Pondou. Bien on sait de monde dans société à l'air ou parler, on supposé prendre yo très au sérieux. Bien monde dans société à l'air ou parler, on doit dire oui et amen l'air ou parler. Parce que yo crédible dans yeux pam. Mais gen moun lè ou parle m pa prè au sérieux parce que pas crédible. Patrick Noramé t'a dirigé BM Pad.
Nenel Kassi te mette. Nèg yo font paquet gagote nan BMPAD. On a priverté là. Pral gen en question de chèque. 1,5 million gourdes qui pral dépatcha NDDH. Dans un premier temps, la société, ce fameux Pierre Espérance, tu te dis pas jamais gen bagay comme ça. Dans le cadre d'une émission, je t'ai participé avec Stanley. Ouais, parce que le fameux Stanley Lucas m'apprenne que monsieur Gale est pas trop bien, pas jamais gen nouvelle mission comme, par contre, ça le devenu. Par contre, s'il vivant, s'il l'âme, par contre, on t'a souhaité là quand même, de toute façon. Sont haïtiens. Attendez. Monsieur plaide la société. Monsieur dit, pas jamais gen bagay comme ça. Monsieur dit, comme CBM pas dit, yodi. Et puis, le ça, monsieur gentil. Monsieur dit, comme CBM pas dit, yodi. Eh bien, nous prenons écrit BMPAD pour nous demander l'explication.